les droits sexuels et reproductifs, l'opposition aux droits sexuels et reproductifs, c'est au cœur d'une nouvelle vague de protestation, des groupes qu'on appelle désormais anti-genre, parce qu'ils s'opposent à ce qu'ils appellent la théorie ou l'idéologie du genre. Il s'agit d'une étiquette déformante et polysense derrière laquelle ces acteurs mettent en fait toute réforme, toute théorie, toute lutte, toute revendication visant à établir l'égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre les discriminations subies par les personnes LGBTQI. En fait, bien que le discours anti-genre se soit diffusé en Italie très tôt, grâce à l'ingérence du Vatican au début des années 2000 et qu'un rassemblement familialiste ait eu lieu en 2007, les mobilisations anti-genre émergent à la suite en fait, des succès des mobilisations françaises et en relation avec une actualité politique à l'automne 2013. À ce moment-là, on présente au Parlement des dessins de loi, des projets de loi concernant la lutte contre l'homophobie et la transphobie, concernant l'adoption de l'Institut des unions civiles, concernant disons, la création d'une éducation de genre. À partir de ce moment-là, on a assisté à des mobilisations essayant effectivement de bloquer ces réformes. Quand on regarde du côté des acteurs, on voit que le mouvement italien est divisé, si vous voulez, en deux parties, structuré dans un front de nouveaux acteurs, la Manif pour tous Italia, les Sentinelles in Piedi, des comités anti-genre, et en fait en coulisses d'acteurs déjà existants, et c'est notamment des groupes anti-avortement, et c'est les plus radicaux parmi les groupes anti-avortement. Je citerai donc Juristi per la Vita, le mouvement neocatéchuménal, Alleanza Cattolica et Notizie Pro Vita. En fait, il s'agit du véritable moteur de ces mobilisations. En fait. Et 5 ans après le début de ces protestations, on ne peut qu'être inquiété par les succès juridiques, politiques et catégoriels de ces mobilisations qui, en fait, ont bloqué le projet de loi contre l'homophobie et la transphobie, ont amputé le projet de loi concernant les unions civiles qui a quand même été adopté en mai 2016 et, en fait, ils ont vidé de l'intérieur le projet d'éducation, disons, non sexiste. En fait, on peut dire que 5 ans après le début des protestations anti-genre, donc aujourd'hui, en 2018, l'arrivée au pouvoir de la Ligue du Nord marque une nouvelle phase de ces protestations. Parce que si ces acteurs, avant, s'opposaient à des réformes d'égalité en discussion, maintenant ils sont passés aux contre-attaques. Et ça concerne plein de domaines. Par exemple, ils ont présenté des projets pour des éducations sexuelles promouvant l'idée qu'il y aurait une complémentarité naturelle entre les hommes et les femmes. Ils ont présenté un projet de loi visant à rendre le divorce plus difficile, plus compliqué, plus coûteux. Du côté de l'avortement, il y a énormément d'actions, de mobilisations visant carrément à abroger la loi qui a été adoptée il y a 40 ans. En particulier, le ministre de la Famille est Lorenzo Fontana, la directe expression de ce mouvement. Il se définit un patriote et un croisé. Il est proche du catholicisme intégriste et il est parmi les plus importants membres du comité qui veut abroger la loi autorisant l'avortement.